Ça va? Pas trop démoralisé? Prenez des vitamines. Depuis que je fais de la publicité pour le laboratoire suisse, je dis à tout le monde de prendre des vitamines. Vitamines, vitamine, 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 vitamine. Manque d'énergie? Les ampoules suicale énergie. Mal à l'estomac? fleurs Les articulations marchent plus? Artre et corps. Le froid travaille pas bien? Probiotique. Pas de bonne humeur? Toujours la baboune? Oméga 3. Manque d'entrain? Au bout du rouleau, glucosamine. Laboratoire suisse, votre charpon pas, vitamine. Le lave-vaisselle laisse des taches? vitamine. onglet incarné, vitamine. Fais-tu ma job, moi? Quand on veut démoraliser, pognon dans, dame, filer loser, il y a toujours moyen. Je m'en suis trouvé un. Hein? Je suis plus vieux que ma ville. On n'est pas beaucoup à pouvoir dire ça. Brassard a 52 ans, j'en ai 54 m'envoie sur 55. On dit toujours ça, hein? Ma fille a 16 ans, elle s'en va sur 17. Oui, elle a 16 ans, c'est sûr qu'elle s'en va sur 17. Elle ne peut pas s'en aller ailleurs que sur 17. Oui, Brossard, en Asie canadienne. Ça fait 25 ans que j'habite à la même place. Je le connais moi seul, moi. Ça, Brossard, ça a été fondé par Georges-Henri Brossard. La même famille que Georges Brossard que vous connaissez, le fondateur de l'Insectarium. Celui qui se promène avec des tarentules dans ses poches et qui mange des fourmis en regardant le hockey le soir. Georges-Henri, c'était son oncle. Il y avait plein de terrain sur le bord du fleuve, c'était dans, dans la prairie dans ce temps-là. Et il y avait assez de terrain qu'il a fini par donner son nom à un petit village qui est devenu une ville où habitent 70 000 personnes aujourd'hui. Moi, je suis arrivé en 1985. Vous, connaissez-vous l'origine du nom de votre ville? C'est sûr que si vous habitez saint chrysostome ou saint agapite c'est un petit peu moins palpitant. Mais saviez-vous, par exemple, que qu'on ignore dans l'histoire pourquoi Mirabel s'appelle Mirabel À un moment donné, il y en a qui ont dit qu'il y avait un notable écossais qui avait deux filles, Myriam et Isabelle, et qui avait choisi d'utiliser les deux noms de ses filles pour créer le nom de Mirabel. Mais après vérification, il n'y a pas d'Écossais qui habitaient dans ce coin-là à cette époque-là. Il y a des petites prunes qui s'appellent les Mirabelles, mais ça ne pose pas à Mirabelle, alors. En passant, mauvaise nouvelle pour ceux qui habitent Mirabel et qui ont plus que 40 ans. Vous êtes plus vieux que votre ville. <laughs> T'as 40 ans, toi? Je suppose que t'en vas sur 41.